D'être ici et de suivre les premiers pas des tout petits joueurs de la RAL. J'étais très content et très fier de voir des petits enfants de 6, 7, 8 ans qui jouent au foot avec les couleurs de la RAL. Donc c'est sympa, on n'a pas connu ça l'année dernière, donc on redémarre bien. C'est une superbe journée, il fait beau, on est dans un club partenaire, ami, donc voilà, c'est une belle journée. Et voilà, les enfants commencent à se découvrir, certains vont plus vite que d'autres, et c'est ça qui fait la beauté du football, on s'amuse à les voir progresser, et dans une bonne ambiance, c'est ça le plus important finalement, c'est que les enfants s'amusent, que les parents s'amusent, que tout le monde soit là pour prendre du plaisir. Pour les coachs, c'est aussi pour certains une première, puisque ils découvrent leur noyau depuis une semaine, et donc ils vont commencer un peu à mettre en place leurs joueurs et leurs équipes, essayer de faire tourner un maximum pour que tout le monde puisse jouer un temps de jeu équivalent et pouvoir faire connaissance avec ses propres joueurs. Le club a décidé de faire une complète école de jeunes depuis l'année passée, donc on a dû mettre en place en 2 mois, et d'ailleurs je peux féliciter tout le service administratif qui était derrière pour la réalisation de cette deuxième partie d'école de jeunes qui s'est créée en 2 mois. À partir de ce moment-là, il fallait structurer, donc la décision de la direction était de structurer par un coordinateur, j'ai été désigné. L'école de jeunes de la Louvière est complète. L'intention, c'était d'essayer de faire une petite découverte. C'est pour ça que nous avons mis en place 3 journées de partenariat avec les 3 clubs voisins, avec Trivière, Oudin et Manage. Le but, c'était de se familiariser et d'essayer de mettre un petit peu en place et de faire connaître un niveau à chaque formateur sur une petite compétition d'un mini-match avec un partenaire local, pour savoir un peu où on en est après une semaine et demie de travail aux entraînements. À partir de cela, ces 3 journées de formation vont être très très informatives. À partir de cela, on va commencer à pouvoir essayer d'élaborer notre plan d'action qui est mis en place sur des structures de 6 semaines. Notre premier plan d'action, c'est la découverte. Pour les tout-petits, c'est moi et le ballon. Pour le jeu à 5, ça sera moi et mon copain. Et pour le jeu à 8, c'est d'essayer d'avoir quelques petites bases de départ de football par l'arrière, c'est-à-dire par le gardien. Et à partir de ce moment-là, si c'est bien dans le vert sur ce cycle 1 des 6 semaines de travail où on va mettre en place, eh bien on avance au cycle 2, ainsi de suite, pour essayer d'avoir une équipe la plus homogène possible et la plus représentative du beau football que le club de la RAL le souhaite.